Allez, go sur le départ. Deuxième jour d'ACT, la deuxième portion. On laisse notre joli spot propre, nickel, pour la prochaine fois. Chef de troupeau. Salut monsieur. Allez les copines, attention. Salut, salut. Ah, y a du monde là, hein. Ils sont bien là. Voilà, ils ont la belle vie, tiens. Dans leur montagne. Hop, 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 encore un petit troupeau. Salut les filles, salut, salut. Bon, là, il y a du monde sur le chemin, là. Allez. Allez, le petit monde. Là, voilà, on ne s'excite pas plus, c'est bon. Merci. Superbe vue, là. Bonjour. Descente dans les pins, ça sent super bon les pins sylvestres. Allez, un peu de vallée fraîche, c'est bon là, à l'ombre là, c'est bien. On relonge
longe la rivière, donc ça pourrait être peut-être sympa. Il faut pister si on peut pas trouver un petit coin pour se baquer, tu vois. Alors on va bien passer à côté, on va même la traverser. Si elle n'était pas trop haute, la traverser, qu'on pouvait se garer. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ah ouais. Pour le moment, c'est de la route, de la route, de la route, de la route. Hein. 40% de route, je crois qu'on va l'avoir fait ce matin, mais cet après-midi, les 60% de piste, ça sera pour cet après-midi, quoi. Là, c'est routier quand même. Hein. Bon, c'est joli, hein, faut pas dire, on va faire une belle forêt comme ça. On m'a dit Michel, il me dit ouais, c'est moyenne dure, dure à moyenne dure. Bon, au moment, on peut pas dire que ce soit très dur. À part pour les crampons qui aiment bien le bitume, alors voilà ce que c'est dur. Sinon, on va voir après, hein. Est-ce qu'elle est surpris après? Allez, un petit peu de piste. Il y a de méchants trous ici. Je regarde de pas prendre trop de vitesse. Tu peux surprendre là, tu plies les jambes là. Elle a pas duré longtemps cette piste vu que ça descend. En tout cas on a une belle vue là. Allez pinçon, le public vous allez faire marcher dessus. Très très joli, on arrive de là-bas au fond. On va jusqu'à là-bas. Bien sympathique village. C'est un bel pierre, c'est joli, c'est normal. Oh, et bien voilà, on a grignoté un morceau à Bourg-Madame. Et maintenant, et bien, on rattrape les montagnes pour finir à Andorre pour la deuxième journée de la CT. Normalement au menu il y a de la piste, semble-t-il. C'est tout beau ici, c'est tout mignon. Ça, un petit ruisseau qui serpente à moi, ça, c'est pas beau. C'est joli là-bas. Les nuages aussi sont beaux derrière. Oh les petits yeux. Ah, il y a un hôtel ou un truc comme ça ici. Là on a quand même une belle vue d'ensemble. Hein.
ça sent l'orage ça là. Tu vois comment c'est noir avant. C'est la sieste, il y en a qui la font, tu vois. Nous on l'a pas faite la sieste, mais il y en a là, elles s'en privent pas. Hein. Ils ont bien raison. Alors ces jeûnés là, qu'est-ce qu'ils sentent bon. C'est incroyable. Bah, pour la peine, juste fraîchement tiré. Elle a un goût de pisse de vache. Hein. Je te dis, bois pas ça, tu vas être malade. Bon, mais là, ça descend. Et c'est du goudron. Hein. On va passer là-bas en face. Toujours plaisir, quelques bosses. Ouais, ça nous excite à la poignée, après. Nous arrivons à Belvert. Ah, c'est très joli ici, là. Ça s'appelle Martinet. Oh, que ça sent bon là-dedans. Putain. Ça pue l'échappement de bagnole. Ah, oh, le bon air. Pas de la montagne, mais des bousses. Les bousses qui poussent au cou. Putain, c'est affreux ça, sérieux. Passé une madotte de plus, je viens derrière carrément, c'est meilleur. On va surtout essayer de passer devant là parce que ça commence à me les briser menu. Entre lui et l'autre là, le cirque devant là, c'est bon quoi, leur fracassin, ils avancent pas. J'aimerais bien pouvoir secouer ces deux là. Putain la gueule, putain la gueule, allez, on peut pas les passer. Admire, admire, admire! Wow! Voilà! Admire! Parce qu'il y en a marre là de le voir à lui. Et allez, je sais que ça on n'a pas le droit, mais ça me casse les couilles, on passe! Voilà, c'est à pas faire, je sais, c'est pas bien! Mais quand il y en a marre de bouffer du gasoil cramé, eh bien voilà, ça peut faire des bêtises. Ah, on respire un peu mieux de fou là! Voilà, par contre, je me demande vraiment où sont leurs 60% de pistes là, parce que leur, la nationale elle est longue là. Hein. Je crois que c'était plutôt l'inverse. Hein. 40% de pistes, 60% de route. Hein. Il y a un souci dans la traduction. Un Transalp 700. Je kiffe la Transalp 700. On finit pas cette route là. On va faire plus de 30 bornes pas loin là, pour se bouffer là. Bon, on est quand même sorti de cette grande route là. Ça fait pas de mal. On va de regrimper là dans les hauteurs. J'espère qu'on va rattraper une piste rapidement. Ouais. Et que là, l'orage, il est en train de nous rattraper au cul quoi. Il fait super chaud d'un coup là. Putain, ça fait très aride là. On n'avait pas ressenti ça depuis, depuis quelques jours là. Dans les hauteurs là comme on était bien. Ah enfin les pistes, ça repart. D'après Michel, on doit avoir à peu près 50 là, jusqu'à la fin de la piste maintenant. On se remet dans le pli là pour avoir bouffé plus de 30 bornes de route. Ouais, je crois que cet orage veut nous rattraper à chaque fois. Il est là-bas. On verra bien. Le voilà.
Ah, il faut là, hein. Je te dis, il faut jamais les mettre de toute façon. Même quand on fait la route, quand on sait qu'on fait du off-road. Bon, ça a été. Je me suis dit, il s'est peut-être foutu dans la merde là-bas. Ouais. Ah ben ça s'est arrêté un peu pour repartir là. J'avoue que là, la piste elle est costaud. Elle est un peu plus technique là, ouais. J'ai pas filmé la montée. C'est dommage, j'aurais dû mettre la caméra. Ah ouais, là, le chemin, c'est plus les mêmes chemins qu'on a eu jusque là. Bon. Rien d'infaisable quand même, hein. Mais c'est un peu plus technique, quoi, quand même, faut avouer. Ah, tu dirais une pète là, comme ça. Faut rien lâcher là. Faut mettre le filet. Gardez le filet. Oula. Ah, ça passe. Je vais attendre, peut-être, parce que... Peut-être qu'il y en a chier. Trop facile pour toi. Ah, là, c'est filet, il faut rien lâcher, hein. En plus, c'est trop facile pour Michel, tu vois pas. Et après, il veut pas venir rouler à la maison. Oh là là. Allez, go. Une belle vue. Et je crois que la pluie arrive. Ça devrait nous rafraîchir. C'est bon, il suit. Ah, ça monte bien, on est bien remonté dans les hauteurs là. Choix du mur en plus là. Allez, les pistes sont bien là. Allez, reparti. Je veux faire la course. Il veut pas s'arrêter boire un coup. Allez, allez, fallait y aller. Ah là là, la 1200, elle vole par-dessus les bosses. Là, c'est du régal. Là. On va y aller gentiment quand même, mais là, ça invite à essorer de la poignée quand même. Hein. C'est pas photo, hein. Hop là! Ah ouais, ils ont mis ça exprès quoi! Hop là! Là, l'hiver, ça doit être sympathique avec la boue là! On voit les ornières! Il y a du monde sur la piste, ah, bien sûr. Allez, petite meme. Ça broute paisible. Bon, en tout cas, là, la portion de piste, là, ça a été un régal. Oh, bon, là, on reprend la route. Je croyais que c'était en face, il y avait une autre piste, moi. Puis non, c'était la route... Dommage. Alors des pistes aussi larges, t'as de la visibilité, t'as tout ce qu'il faut, l'adhérence, c'est génial quoi. C'est vrai que là, faudrait pas avoir une machine plus légère parce que là, ça serait de l'abus. J'ai quand même vu le compteur monter à 70 à un moment donné. Les pistes avec une machine de 300 kg chargée,
On va avoir à freiner rapidement, mais tu as la visibilité, donc c'est bien. Mais voilà. Encore une fois, voilà, on fait les gosses. On fait les gamins. C'est bien. Des fois, ça fait pas de mal. Ça décharge de la... du restant de l'année. On est trop sérieux. Jubéry. Mais après, la piste y a eu cette grande et longue descente. Une belle vue, hein. Comment ça ? La ville en bas, là. Il y a des boîtes quand même, hein. Pas bien, hein. On a eu de panneaux. Peut-être en dehors, hein. J'en sais rien. Ça a l'air d'être bourgeois, ça a l'air d'être riche ici. C'est Julia de Loria. Là on est dans tout ce que j'adore, en plus ils roulent comme des cons. Ouais, principal dans le noir. Putain, hein, c'est en dehors. Spécial. Pas grand fan. Grande ville pour moi. Pas le rond-point de noter. Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un qui me klaxonne là ou quoi? Ça me gave. Mais ça, les villes comme ça là. Ah, ce soir on a en fait trouvé un petit spot sympa là. Hein. J'avais besoin de la douche et il fallait absolument le trouver. Et voilà, on a trouvé la petite douche. Et merci Mère Nature. Hein. Là, ça fait un vieux fou quoi. Trop bon là. Je me sens trop bien, trop au quinqué. C'est frais au départ, mais après, on s'y fait bien. Je vais avoir le spot quand même. Regarde ça. Encore une fois, il n'y a plus dégueu. Hein. Il faut savoir que dans les Pyrénées, normalement, c'est au pied de ces petites herbes que l'on arrive à les retrouver. Gâte-donc, on voit. Gâte-donc, mon Yann. Gâte-donc ces rivières d'Espagne qui sont pas belles. Gâte ça, la glacière. Oh putain. Ça va pas être bon, ça.